dispose d'une bobine et d'un aimant permanent, pouvant tous les deux tourner dans un plan vertical. La bobine est directement branchée sur l'oscilloscope, fonctionnant en mode roll. On observe donc la force électromotrice de la bobine qui défile de droite à gauche sur l'écran de l'oscillo. La rotation de l'aimant permanent crée une FEM variable aux bornes de la bobine. La rotation de la bobine crée elle aussi une FEM variable.